Puis après manger, je me suis posé dans le lit 2 minutes, regarder une vidéo. Je me suis réveillé, il était 3 du mat. Et bah pareil. Sauf que je me suis réveillé un peu Tout plus était tard, mais allumé. exactement pareil. Ah, y a des fois comme ça, t'es fatigué, tu tiens pas le coup, et puis. C'est comme ça. Hein. Bon, celui-là, il devrait être simple. Il est à 61%. Être compliqué. Normal qu'on soit dans le ciel. On va tomber au sol en accélérant, comme d'hab. Oh, on n'a pas eu le boost. Ouais, ça comptait pour du beurre. En fait, tu nous as claqué un de ces élonges avec les tunings, Steph. Ah ouais. Ah merde! Obligé, c'est ah, ici à gauche. Poussé. Ah ouais, il est là le coup. Il y a comme un pro. Ouais, oh, on ouais. t'entend. Attends, il y a comme un problème là, le point il est en hauteur. Qui parle? C'est TJ, enfin sa copine. Mais... Comment on chope le point là-bas? Moi je pense qu'il faut monter sur le parking, il doit y avoir une rampe sur le parking. Là où il y a TJ justement. À part ça... Ouais, il y a une rampe en haut du parking les gars. C'est ici que ça se passe. Ah ouais mais. Merde, il est parti trop loin. Elle a voulu faire la forceuse. Ah ouais, j'allais dire parce que là je veux bien mais le point je chope comment moi d'en haut. Du coup là faut respawn. Bah le parking c'est là où on avait eu le point Steph, là où il était le point en fait d'avant, respawn. Respawn ah et tu oui, vas c'est être bon. Pile dans le point. Ça y est, je l'ai trouvé. Ah purée. Ah purée. Oh bah je suis où là? Ah mais faut de la vitesse ici putain. Ça en bas. Oh je merde. Ah si. C'est une vraie patinoire cette voiture, laisse tomber. Elle est bien, elle est belle et tout, mais... caché dans le toit. Toi là. Pas. Faut que tu sautes sur la gauche pour aller sur l'autre toit et après t'as un boost qui te ramène sur l'autre toit. Ah
Ah, jusque là ça va, il est simple celui-là. Il faut monter là. Ah, par contre la voiture là c'est comment? Ah, on peut pas la bouger. Déjà parti à l'autre bout du monde toi. Bon j'avance tranquillement. Bah en fait c'est parce que après le passage où tu es là sur le toit c'est un parcours au sol. Donc tu prends les points quoi. Après là pareil j'avais un parcours vite fait dans les airs mais là je me retrouve sur un parcours au sol. Et là je viens de me louper, il faut prendre ici. Je te laisse un peu d'avance Chris, sinon je vais encore finir devant toi. Bon tu sais je gagne pas tout le temps hein. Hier Boulette elle a gagné 2-3 fois. Elle se démerde bien Boulette aussi sur les parcours. Franchement elle a un bon niveau. Tout le temps 9-4 sur 10 oui. Non, moi c'est pareil hein. Je suis pas tout le temps dernier hein. Ah moi je suis tout le temps dernière. C'est marrant ça. Bah là t'es devant moi pour l'instant. Ouais, enfin pas pour longtemps parce que je suis bloqué. Attends, j'arrive. Bah, sur le... Quand tu suis les rampes là qui montent les toits, la dernière rampe, il faut que tu tournes à droite pour sauter sur le toit. Je peux aller dehors pour téléphoner. Et après une fois que t'es Ah lui il me tue à chaque fois, il abandonne. Voilà, là Mac, franchement, si t'abandonnes, il est facile celui-là. Vraiment, 61%. Non, vas-y, abandonne pas. Moi aussi, je suis une quiche, mais t'inquiète. Bah non, mais lui, à chaque fois, il se met à l'arrêt. Et... Après, je comprends que quand t'es pas habitué à ce genre de truc, bah c'est chaud. Mais là, c'est des trucs faciles quand même, franchement. Moi, j'avance depuis tout à l'heure, je vois pas ce qu'il y a de compliqué. C'est juste, tu prends des rampes, tu sautes, tu suis le chemin. Il y a quoi. Des épaves sur la route. Ah bah voilà, tu vois, t'as avancé. Bah, si t'es aux épaves, c'est que t'es pas loin. Putain, faut passer sur les stores là. Ouais, au niveau du commissariat, ouais. Mais Steph, t'es où? Parce que tout à l'heure, tu m'as doublé, tu m'as passé par-dessus. Ouais, mais j'ai respawn, je me suis planté. Je suis allé un peu trop vite. Bah, il me marque que je suis troisième, donc tu dois pas être... Bon, après, même ça, des fois, c'est mal foutu parce que... Tu peux être deuxième... Et en fait, t'es troisième parce que c'est selon la personne la plus proche du point. Mais bon, là, oui, ça doit être le cas pour le coup, mais... Mais des fois je suis premier et puis j'en vois un autre qui passe premier, moi je passe deuxième alors que non, je suis bien devant mais c'est parce que l'autre personne est la plus proche du point quoi. Oh, purée. C'est GTA hein, encore une fois. Il devrait se fier au checkpoint, celui qui a l'avantage sur les checkpoints. Ah mais cette voiture c'est une catastrophe. Elle glisse dans tous les sens. Elle est jolie. Où, là? Attends. Ah, c'est une belle voiture, c'est vrai qu'elle est magnifique, hein, rien à dire. Mais niveau conduite, waouh! T'as l'impression que tu roules sur de la neige, quoi. Allez, mon sang. Ouais, à fond. Je suis au niveau de la piscine là. Mmh. Ouais, je vois où. Wouah, c'est un parcours sur les toits, son bordel. Puis là, vu comment la voiture elle glisse, je te raconte pas comment monter sur un toit incliné, c'est une galère. Ta gueule.
Purée, non. Allez, remonte. Putain, mais... Je vais pas réussir à passer ici ou... Hey Chris, regarde derrière toi. Bon, y a personne. Voilà, je suis pas là encore. Parce que j'ai la carte en radar étendu, donc je vois personne aux alentours. Je vois les trois points, mais ils sont pas aux alentours, quoi. Ah merde, j'ai pas les points. Je suis encore loin. Moi, je laisse toujours le radar étendu, comme ça je vois ce qui arrive aux alentours. Quand t'es en session publique, c'est pas mal quand tu vois les oppresseurs arriver de loin ou autre. Ça te permet d'anticiper. Par contre, ce qui est chiant, c'est que quand tu fais un braquage, genre un braquage casino ou quoi, bah tu vois pas les ennemis, il faut que tu enlèves le radar étendu. Chaque fois, je me fais avoir quand on lance un braquage ou autre, je suis obligé de le désactiver parce que je sais pas où sont les ennemis, mais c'est chiant. Ah, c'est bon. Faut aller où? Faut aller là. Ah, j'aime pas les ballots de paille comme ça là. Ouais, sinon, il y a combien de points? Ah ouais, 75 points, putain. Je suis au 65. Comment tu fais pour voir ça, toi? Flèche du bas ou W sur le clavier. Flèche du bas à la manette ou W sur le clavier. Comme pour voir la liste des joueurs. J'ai loupé le parcours. Je roulais, je voyais pas de points. Je dis, qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais j'ai loupé le parcours, je suis parti. Ah. Je suis perdu, je sais pas où je suis. Alors franchement, ça va, il est facile celui-là. C'est du parcours au sol et des petits parcours sur des toits. Moi j'ai eu plus dur. Ouais, non. Mais c'est bien, tu vois, tu galères pas trop. C'est... Ouais, 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 non, il est simple. Mais après, c'est pareil, regarde, l'autre fois on a fait un parcours avec Asphalt, c'était un. Enfin, plusieurs même, mais c'était des parcours à 30%. Donc, normalement 30% c'est censé être compliqué, tu vois, là c'est un 61%. Et bah je te les ai flingués en 10 minutes, quoi. Ah le con, pourquoi j'ai freiné, putain, pourquoi j'ai freiné. C'est pas possible, c'est quoi ce jeu? Non, je reste derrière. T'as vu, tu seras pas dernier. Je veux ma place. Oui, je vais rester ma place. Hey, j'arrive. Non. Salut. Non, Steph, vas-y, attends-moi, sérieux. Soyez galant, elle a dit. Genre l'excuse. Promis, dès que j'ai passé la ligne d'arrivée, j'attends. Ouais. Eh, putain, comment me pousse. T'aurais pas dû. Oh purée, oh l'enfoiré. Là vous êtes tombés tous les deux au final. Oh bah le pauvre Mac qui se retrouve au milieu maintenant. Désolé, Mac. Non. Allez, je suis tombé, voilà. Mais...